Mesdames et messieurs, en vos titres et en vos qualités, chers élèves, la remise des trophées héritiers de mémoire va pouvoir commencer. Nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui et qui ponctue votre travail d'année scolaire 2022-2023. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir au Panthéon pour cette 7e édition. Aujourd'hui, héritiers de mémoire mettra en lumière 6 projets pédagogiques d'enseignement de défense remarquables. 6 projets émanant de 6 établissements, de l'école au lycée, au sein de 5 académies. Je vais commencer par les plus jeunes, l'école Émile Roux de Soisy-sous-Montmorency, le collège Katia et Maurice Kraft de Béziers, le collège Les Dauphins de Saint-Jean-de-Soudun, le collège Vallée du Lys du Lys-aux-Léons, le collège Saint-Bruno de la Tour du Pin et le lycée Clément Marot de Cahors. Cette 7e édition des héritiers de mémoire est enregistrée et sera retransmise sur le site internet Chemin Mémoire, sur la plateforme Éducadef et sur les réseaux sociaux institutionnels. Cette année, la cérémonie est animée par Bérénice Valkener et Lilia Elikai, qui travaillent à la direction de la mémoire, la culture et des archives du ministère des Armées. Bérénice est apprentie au sein de la direction et poursuit également un master 1 en politique de communication. Elle sera accompagnée par Lilia, qui est chargée d'études pour le soutien au projet pédagogique. Nous les remercions pour leur implication dans la préparation de cette opération et je leur passe le relais, c'est-à-dire les clés de la cérémonie. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Merci, nous sommes très heureuses avec Bérénice d'animer aujourd'hui cette cérémonie. Le livret présentant les 6 projets pédagogiques récompensés aujourd'hui vous est remis dans une pochette héritier de mémoire. Nous y avons joint les dernières publications des Chemins de la mémoire, conçues par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées. Vous trouverez le hors-série Les lettres, les arts et la guerre, ainsi que les 2 derniers numéros de cette revue, dont celui de 1953, Dernier combat en Corée. Dans le cadre de notre action Mémoire partagée, ce numéro sera entièrement traduit en coréen. Je vais maintenant inviter à la tribune Madame Barbara Wolfer, administratrice du Panthéon, qui nous accueille aujourd'hui en ces lieux et dont l'équipe s'est fortement impliquée dans la préparation de cette cérémonie. Madame et Monsieur les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers professeurs, chers élèves, je suis très heureuse, au nom de Marie Lavandier, présidente du Centre des Monuments Nationaux, et au nom de toute l'équipe du Panthéon, de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie héritier de la mémoire proposée par le ministère des Armées en lien avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et qui trouve pour la 3e fois sa place au Panthéon. Le Panthéon, vous le savez, est un haut lieu de la reconnaissance. Reconnaissance de Louis XV à l'égard de Sainte-Geneviève d'abord, à l'origine de la construction de l'édifice dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, puis à partir de la Révolution française et pour les républiques successives, lieu de reconnaissance et de célébration de personnalités qui se sont illustrées par leurs engagements exceptionnels en faveur de la République. La reconnaissance au Panthéon prend plusieurs formes.
les entrées au Panthéon, bien sûr, et je ne cite là que les plus récentes, Maurice Genevoix et Joséphine Becker, mais aussi les représentations, sous la forme de groupes sculptés notamment, et enfin les inscriptions. De nombreuses personnalités sont ainsi honorées sur les murs du Panthéon à travers une inscription individuelle ou collective, Antoine de Saint-Exupéry, Aimé Césaire, les Justes de France ou encore les écrivains combattants, par exemple. Il nous revient de faire vivre la mémoire de ces grandes figures, de transmettre l'exemple de leurs actes et de leurs combats au service de grandes causes républicaines, que ce soit la justice, la tolérance, l'égalité ou encore la liberté. Faire vivre cette mémoire, c'est ouvrir le Panthéon à la visite, libre, commentée ou comptée, mais c'est aussi proposer ou accueillir des événements qui entrent en résonance avec les très beaux enjeux de mémoire et de transmission du Panthéon. Nous sommes donc particulièrement heureux que vous fassiez vivre la mémoire à travers vos projets et que la reconnaissance d'héritiers de la mémoire particulièrement méritants prenne place ici au Panthéon. Félicitations donc à vous toutes et tous. Bienvenue au Panthéon. Merci à toutes les équipes qui ont préparé cette cérémonie et je vous souhaite un très beau moment. Merci Madame Wolfer pour ces mots de bienvenue. Cette 7e édition des Héritiers de mémoire met tout particulièrement en lumière la grande diversité des actions d'enseignement de défense ainsi que la capacité des enseignants et des élèves à mettre en œuvre des projets remarquables aux créations innovantes, conjuguant pour certaines le cinéma, la danse, la musique, mais aussi le théâtre. Cette cérémonie est placée sous le haut patronage de Madame la Ministre, auprès du ministre des Armées, en charge des anciens combattants et de la mémoire, Madame Patricia Mirallès, qui ne peut être présente à regret aujourd'hui. Madame la ministre a tenu à vous adresser un message pour vous ouvrir officiellement cette cérémonie. Nous allons donc l'écouter. Chers élèves, chers professeurs, chers chefs d'établissement, je commencerai tout d'abord par vous dire merci. Merci pour ce travail précieux que vous conduisez, chacun, à votre niveau, pour mettre en valeur notre mémoire nationale. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, mais je suis fière que cette 7e édition des Héritiers de la mémoire soit placée sous mon haut patronage. Les Héritiers de la mémoire sont devenus un rendez-vous incontournable pour le ministère des Armées, qui nous permet chaque année de mettre en lumière et de récompenser les actions d'enseignement de défense remarquables et que nous voulons encourager. Parce que notre jeunesse est belle, parce que nos enseignants sont de véritables hussards de la République et que nous n'aurons jamais, jamais trop d'occasion de le rappeler et de le dire haut et fort. Chers élèves et enseignants qui venez d'écoles, de collèges, de lycées, d'un peu partout en France, je veux aussi vous dire un grand bravo. Oui, vous êtes des héritiers de la mémoire, mais j'aime à dire que vous êtes aussi et surtout des passeurs de mémoire. Et c'est par ces projets, en étant curieux, en vous appropriant l'histoire, notre histoire nationale, que vous faites ce travail essentiel de transmission de notre mémoire collective. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Madame la Ministre, et vous proposons maintenant de découvrir le film réalisé par l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense sur le projet des élèves et de leurs enseignants du collège Katia et Maurice Kraft de Béziers, situé dans le département de l'Hérault. À l'occasion des commémorations du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, Héritiers de mémoire met en lumière pour la 2e année consécutive les travaux pédagogiques réalisés autour de l'appel à projet initié par la direction de la mémoire, de la culture et des archives, La guerre d'Algérie, une histoire militaire des mémoires combattantes. Pluridisciplinaires, ces projets, par leur dimension, permettent aux élèves de se confronter à l'histoire et à la mémoire de ce conflit.
En réponse à cet appel, les élèves de 3e du collège Katia et Maurice Kraft de Béziers ont mené le projet « La guerre d'Algérie et ses mémoires » afin de mieux comprendre ce qui distingue l'histoire et les mémoires. Les élèves se sont ainsi rendus au mémorial de Rivesaltes pour un atelier sur la mémoire des harkis. Ils ont également participé à une rencontre avec de nombreux témoins de la guerre d'Algérie organisée en partenariat avec le NACVG. Ils ont assisté à une représentation théâtrale, Les Fils des Hommes, par la compagnie Action d'Espace et un spectacle de danse contemporaine inspiré du livre Des Hommes de Laurent Mauvigné. À l'issue de ces travaux et de ces rencontres, les élèves ont réalisé un livret restituant leurs travaux en atelier et des écrits dans lesquels ils expliquent ce qui distingue l'histoire des mémoires. La guerre d'Algérie. De 1954 à 1962, la lutte entre les partisans de l'indépendance du pays et les défenseurs de son maintien dans l'État français. Mais pas seulement. La vie, aussi, de populations civiles prises entre les deux feux, d'appelés du contingent et de part et d'autre de la Méditerranée, le traumatisme d'une génération, l'héritage des suivantes. Une guerre que l'histoire officielle française nommera jusqu'en 1999 « les événements », expression posée comme un masque mal ajusté sur des mémoires plurielles toutes meurtries. De cette guerre restent des réalités diverses, construites de souvenirs qui s'opposent en fonction des camps. Guerre d'indépendance, guerre civile, déchirement de population, de famille parfois. Mon père était officier. C'est la raison pour laquelle nous vivions en Algérie, puisqu'il avait été muté là-bas. C'est pourtant ce sujet qu'ont choisi d'aborder les classes de 3e du lycée Katia et Maurice Kraft de Béziers. Dans cette ville, terre d'accueil de pieds noirs comme d'immigrés d'origine algérienne, le pari était audacieux. Les mémoires de la guerre d'Algérie, ça m'a toujours questionné. Et j'avais envie d'en faire quelque chose ici, dans l'établissement dans lequel je travaille, avec les élèves de l'établissement du collège Kraft, avec des collègues. Et je me suis dit que c'était sans doute un point de départ intéressant pour travailler avec des élèves du collège. Donc il y a des élèves, bien sûr, je savais qu'ils allaient s'accrocher à ce projet, parce que je les connais, parce qu'ils ont souvent une histoire aussi en lien avec l'Algérie. Et d'autres qui, étonnamment, sont arrivés, ont dit « bon, ben, moi j'ai envie aussi de venir, de participer ». Et des journées donc, comme aujourd'hui, avec la rencontre d'un témoin, forcément ça les motive davantage, ça ramène du monde et ça donne du sens aussi à ce projet. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas pourquoi. Moi, petite fille, pour moi j'étais en France et je ne comprenais pas pourquoi on en voulait aux Français d'être là. Pendant longtemps, j'ai plus pensé à tout ça. Et puis, il y a quelques années, on est passé par Marseille et toutes ces images me sont revenues en tête et je me suis mise à pleurer. Ce sont les moments les plus douloureux, probablement, de ma vie, oui. Mon grand-père, lui aussi, il vient d'Algérie, c'était un pied noir, donc cette guerre m'intéresse aussi. C'était triste, parce que moi aussi, mon ancienne grand-mère et ma grand-mère, ils ont vécu ça aussi. J'avais en Algérie, quand j'essayais de leur parler de ça, ou mon père, mais ils étaient en train de pleurer, du coup, je voulais pas. Elle allait pleurer, du coup, ça m'a fait beaucoup de peine. J'allais pleurer aussi, mais je me suis retenue. Et j'espère que, à travers tous les témoignages, vous arriverez, vous, à vous faire votre propre opinion sur ce qui s'est passé. Comme ils sont beaucoup plus acteurs, ça leur donne envie de participer et de s'engager dans des activités qui, habituellement, vont moins les intéresser. On a senti beaucoup d'émotions dans le regard de la personne, la voix qui tremblotait un petit peu. C'est assez touchant. C'est des regards de compassion. C'est assez... On essaie de rester impassible parce que c'est perturbant, forcément. Il y a eu différentes réactions chez les élèves. Il y a des élèves qui ont voulu vite mettre ça à distance, en fait, et qui ne veulent pas encore, pour l'instant, rentrer plus en avant, même si parfois, par quelques questions ou quelques remarques, on sent un intérêt poindre ou une envie d'en savoir un peu plus.
D'autres qui, au contraire, se sont vite dévoilés, ont dit « Ah, mais moi, ma grand-mère, mon grand-père, mais je crois que mon père... » voilà, et qu'ont eu envie de s'impliquer dans le projet, soit par des questions posées lors des premières actions qu'on a menées avec eux, notamment par leur participation au Club Histoire, ou alors par leur questionnement, tout simplement, en classe. Témoignage après témoignage, les élèves s'emparent du sujet. Hors des manuels scolaires, ils découvrent la guerre et ses conséquences à hauteur d'homme. Pour compléter cette approche mémorielle, des expositions réalisées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les archives départementales sont présentées dans les murs du collège. Qu'est-ce que tu choisirais, toi, si tu devais prendre une valise toute ta vie ? Ce sont des Algériens musulmans qui s'étaient engagés auprès de la France. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'indépendance ? Comment ils ont été perçus, ces gens-là ? Comme des traîtres. Comme des traîtres. À la fin de l'année, les 30 élèves du Club Histoire doivent produire un web documentaire. Des documents d'époque et des récits immersifs transforment les élèves en enquêteurs. L'approche se veut résolument multidisciplinaire. C'est toujours bien aussi si, quand on mène un projet, ça peut faire écho aux élèves dans différentes disciplines, parce que c'est des questions qui ne s'abordent pas que par la question de l'histoire. Ça s'aborde aussi par la littérature, ça s'aborde par le dessin, ça s'aborde par la chanson, ça s'aborde par le corps. Parmi les 300 élèves de 3e, des petits-enfants de marquis, de partisans de l'indépendance, de pieds noirs ou d'appelés, partagent comme un lien ce silence autour de la guerre d'Algérie et cette envie de mieux comprendre cette part de l'histoire. Une compréhension qui prend parfois l'art comme chemin de traverse. François Rascalou est auteur, chorégraphe et comédien, fils d'un appelé de la guerre d'Algérie. Il a vécu, avec le mutisme de son père, cette guerre qu'il redécouvre dans un livre, Des hommes, de Laurent Mauvignier. J'avais besoin de faire du bruit. Parce que personne, ni les harkis, ni les pieds noirs, ni mon père, ni les autres enfants d'appelés, les parents, tout ça, on ne parlait pas de la guerre d'Algérie. C'était passé. C'était quelque chose qui était là-bas, loin. Et avec ces témoignages de fils, j'ai donc fait le spectacle qui s'appelle « Les fils des hommes ». Je travaille sur ma position de fils. Dans son spectacle, il interroge ce silence et plus largement l'héritage laissé par ceux qui ont vécu la guerre. Comment cette expérience influe-t-elle sur ces héritiers de la guerre d'Algérie ? Comment ces traumatismes ont-ils, à travers eux, infusé dans la société française ? Parce que moi, je me reconnaissais dans tous les fils. Ils avaient des histoires différentes. Le fils de l'OAS, le fils du FLN, le fils du MNA, le fils des Harkis, encore le fils de Pied Noir, le fils de Pied Rouge. Cette parole des fils de tous bords, c'était vraiment pour moi une nécessité. Je travaille sur ce rapport-là entre les mémoires et l'histoire. La guerre d'Algérie, mon grand-père m'en avait déjà parlé. Mais il l'avait survolé, j'ai jamais été en savoir ce que c'était en profondeur. Je m'y suis intéressée, c'est une guerre qui est assez complexe à comprendre, qui au final m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai que ça renvoie à son histoire, à son histoire personnelle, les interviews comme celle-là. J'ai redécouvert à travers ce projet aussi ce travail d'enquête, de choses qui n'ont pas été dites. Je suis dans la danse contemporaine, donc c'est de la danse plutôt abstraite. J'ai retenu quelques axes assez importants qui m'ont semblé plus évidents à mettre en jeu, et corporellement, au niveau scénographique. On les a interrogés sur des choses comme des actions. Pas après pas, atelier après atelier, sans se contenter d'un seul récit ni de la froideur des dates, les élèves embrassent l'histoire dans toute sa complexité. Peu à peu, ils se font acteurs de ce travail de mémoire, une façon de mieux s'approprier l'espace qui les entoure. En tant qu'artiste, ce qui me touche et ce qui m'intéresse, c'est tout le cheminement, tout le processus. Ils éprouvent, ils vivent quelque chose qui n'est pas du quotidien et qui va faire un lien avec ce qui aussi traverse scolairement. Bravo d'être venu dans l'espace du hall. On est fiers de vous.
invitons maintenant Monsieur David Domenicone, conseiller mémoire, histoire et monde combattant, auprès de la secrétaire d'État, auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire, à remettre le trophée Appel à projet, la guerre d'Algérie, une histoire militaire, des mémoires combattantes. Nous invitons également à la tribune la délégation du collège Katia et Maurice Kraft de Béziers, située dans le département de l'Hérault, dont Monsieur Sébastien Ribertré, enseignant d'histoire-géographie, pour leur projet La guerre d'Algérie, une histoire commune, des mémoires partagées. Monsieur Domenicone, nous vous donnons la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux au nom de la secrétaire d'État de pouvoir vous remettre ce trophée, sans doute héritier de mémoire a rarement aussi bien porté son nom qu'avec vous. Vous démontrez l'importance de à la fois regarder l'histoire en face, comme le demandait le président de la République à l'occasion du cycle commémoratif sur les 60 ans de la guerre d'Algérie, de recueillir les témoignages. Vous avez illustré l'importance cruciale d'écouter les témoins, d'écouter ce qu'ils disent, d'écouter ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont à transmettre aujourd'hui. Et aussi celle d'aller voir les archives, d'avoir la rigueur intellectuelle de l'histoire pour ensuite en faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, d'absolument essentiel et que la ministre tenait à souligner. De le faire rayonner cette mémoire et cette connaissance historique par tous les moyens possibles, et notamment au travers des arts, dans des projets, et disons-le avec vous, d'une richesse exceptionnelle, montrant aussi tout ce que la connaissance de la guerre d'Algérie, de la colonisation de l'Algérie, aujourd'hui nous permet de créer, de penser avec une richesse exceptionnelle dont vous êtes la plus parfaite illustration. Et pour tout ça, nous tenions vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez réussi à nous apporter finalement. Encore merci et bravo. Merci beaucoup, Monsieur Domenicone, pour cette remise de trophée. Nous invitons les représentants du collège Katia et Maurice Kraft à prendre la parole. Eh bien, oui, merci beaucoup pour tous ces moments et d'avoir permis aux élèves du collège Katia et Maurice Kraft à Béziers de vivre cette expérience. Au début, ça partait d'un projet qu'on avait pensé au sein de l'établissement. Et puis, ce projet a eu la chance d'avoir l'écho, de recevoir une subvention, puis d'être demandé pour qu'il y ait ce documentaire qui soit réalisé, ce qui nous avait beaucoup, beaucoup touché. Et moi, ce que j'en retiens surtout, c'est l'énergie qu'ont mis tous ces élèves de 3e sur leur temps libre. Hein. On se voyait deux fois par semaine en dehors des cours pour produire, alors non pas un livret, je vais rectifier un petit peu, un web documentaire, voilà, qui est en cours de finalisation. Et vraiment, les 22 élèves là, qui sont présents des différentes classes de 3e ont mis beaucoup d'ardeur au travail pour réaliser ça. Chacun porteur de ses mémoires et ou pas, et ont chacun des questionnements, et on a senti aussi que on espère avoir apporté quelques réponses, et puis on espère aussi que ça permet d'en parler, et c'est le cas, je crois, au collège maintenant, de parler de ces mémoires-là de façon plus apaisée, que ce soit par les travaux qui sont menés, mais aussi les différents ouvrages qui étaient à leur disposition, etc. Et on espère continuer le travail parce que y en a d'autres qui arriveront les années prochaines. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Nous invitons la classe à remonter pour prendre quelques photographies, si vous le souhaitez. Monsieur Domenicone, si vous voulez vous joindre à la classe.
Merci beaucoup. Les thèmes de projet Héritiers de mémoire sont, comme vous avez pu le voir, d'une grande variété. Nous allons maintenant primer le projet scolaire du lycée Clément Marot de Cahors, intitulé « Engagement, citoyenneté et fraternité d'armes, les destins croisés du général Leclerc et du lieutenant Amado Granel, officier de la Nouévé ». En réponse à l'appel à projet « Leclerc, itinéraire d'un Français libre », les élèves du lycée Clément Marot ont souhaité mener un projet disciplinaire afin d'étudier les destins croisés du général Leclerc et du lieutenant Amado Granel, officier espagnol de la Nouévé, 9e compagnie de la 2e division blindée, appelée division Leclerc et composée notamment d'Espagnols. Ce projet est porté par les élèves intégrés à la section binationale Bachibac, qui les amène à obtenir le baccalauréat français, mais également le bachillerato espagnol. Les élèves de section européenne espagnole du lycée y ont également participé. L'objectif de leur travail est double. Le premier est historique, en créant une exposition virtuelle reconstituant les destins croisés du général Leclerc et d'Amado Granel. Le second est mémoriel, avec la réalisation d'un monument éphémère en hommage aux Espagnols ayant combattu dans les rangs de l'armée française et dans la Résistance. Le monument éphémère a été installé à Cahors sur la place des Républicains espagnols. Nous vous invitons à regarder le film documentaire retraçant les différentes étapes du projet. Le 25 août, Paris insurgé est libéré par les chars de la 2e division blindée, la 2e DP du général Leclerc. Le général Leclerc, c'était un homme politique qui comprenait les problèmes des populations et que ce n'était pas qu'un guerrier. Ne serait-ce qu'en prononçant ces paroles du serment, et il savait qu'il fallait donner de grandes choses aux gens, les faire rêver, pour obtenir d'eux le maximum. Avec sa phrase, ne dites pas que c'est impossible. On sait que la jeunesse a besoin de héros. Le fait qu'il ait été instructeur lui a permis d'avoir un peu d'expérience et d'arriver à être un bon leader. La 2e DB se forme en 1943 en Libye. Cette 2e division blindée, elle est composée de Français bien évidemment, mais également de volontaires étrangers, de 22 nationalités différentes et aussi de plus de 300 Espagnols. Parmi ces combattants, il y a Amado Granel, qui était un exilé espagnol qui a fui pendant la Retirada, qui a fui le régime de Franco et qui s'est engagé dans l'armée de la Résistance française pour combattre les forces fascistes en France. Après une matinée passée au musée de la Libération de Paris, les élèves rencontrent deux membres de l'association 24 de Augusto, qui s'évertue à faire vivre la mémoire des hommes de la Nueve. Juan Chicaventura, artiste peintre, éclaire les élèves sur sa peinture murale réalisée rue Esquirol et sur les différentes vignettes qui la composent. La première vignette, lorsqu'on la voit, c'est au moment où le Guadalajara, qui était un aftrac, ont traversé Paris, de la porte d'Italie jusqu'à l'hôtel de ville. Le 25, c'est les fameuses anicroches qu'il y a eu entre des barrages nazis et puis justement des FFI, où là, ils ont fait appel à l'intervention de la Nueve. Ils ont pu traverser et rentrer sur la place. Et le 26, c'est le défilé de la victoire. C'est là où De Gaulle va défiler avec ses généraux. Il fera appel à la Nueve pour l'escorter, quoi. Le chemin de mémoire se poursuit aux Invalides, où repose le maréchal Leclerc. Dans la cathédrale Saint-Louis, les élèves décryptent le bas-relief, contant l'épopée de l'illustre soldat. Nous sommes ici aux Invalides. Venir ici, c'est faire de l'histoire sur place. Nous avons pu voir dans la cathédrale Saint-Louis le bas-relief qui est dédié au général Leclerc. Inspecteur des armées en Afrique française du Nord, il meurt à bord de son avion Tailly,
le 28 novembre 1947 à Colombéchard, reçoit l'hommage du peuple de France, inhumé aux Invalides. Revenir sur les lieux, se rendre compte par où sont passés les soldats, quels étaient leurs objectifs, les difficultés de l'opération pour libérer la capitale. C'était très important aussi pour notre projet. C'est à Cahors, dans le Lot, que nous retrouvons nos héritiers de mémoire. Au lycée Clément Marot, nos élèves de terminale en double parcours œuvrent à la concrétisation de leur projet. Dans notre établissement, nous avons une section avec un bac national, donc des élèves qui sont dans la section Bachi-Bac, qui préparent à la fois le bac français et puis le bac, le Bachillerato, le bac espagnol. De ces deux hommes, étant enseignante en Bachi-Bac, je me suis dit que ce projet pouvait être très intéressant. Jusqu'à la constitution de la deuxième division blindée. Donc là, on va travailler sur une exposition virtuelle qui va retracer les moments clé de la vie du général Leclerc et d'Amado Granel dans la libération de Paris. Cette exposition, elle sera sous forme d'interview. On trouvait ça intéressant de faire parler les morts, en quelque sorte. Les questions qu'ils poseront, ils me les poseront à moi, et ce sera moi qui répondrai en tant que Leclerc. Ce qui m'a marqué le plus dans l'histoire du général Leclerc, c'est le serment de Koufra. Cette promesse qui a été tenue et jusqu'au bout, et c'est très touchant et impressionnant. Une autre avec Amado Granel, donc, que j'incarne, sur sa vie et plus précisément son expérience au sein de la Nueve. Je répondrai aux questions en espagnol et des journalistes vont me poser des questions en français. On essaie de récupérer des informations sur les différents livres, aussi notre petite excursion à Paris. Et quelques recherches sur Internet. Oui. Il y aura des images qui seront diffusées et tout ça mènera lieu au 8 mai. On voudrait faire un monument éphémère sur la place des Républicains à Cahors. Tu vas peut-être m'aider. Donc Amado Granel, c'était un soldat espagnol, adjoint du capitaine Drone. Il a rejoint la Nueve en Algérie après le débarquement à Oran. Le premier soldat à être entré dans l'hôtel de ville lors de la libération de Paris le 24 août 1944 était Amado Granel. Mais on n'a jamais vraiment su cette anecdote parce que la mémoire n'a pas vraiment retenu son nom. En rétablissant cette mémoire, on rétablit aussi la vérité. On rend honneur à des soldats qui se sont battus, certains sont morts, pour la libération d'un pays qui n'était même pas le leur. D'accord, ça fait l'adhésion, c'est quelque chose de... Et nous avons pour mission d'honorer tous les morts pour la France. La Nueve, qui participait à la Deuxième Guerre mondiale avec le général Leclerc, sont des soldats qui sont morts pour la France, donc on doit les honorer. Les champs. Dans le Lot, nous avons au cours de la guerre, notamment après la retirada, énormément de républicains espagnols et beaucoup d'entre eux se sont engagés dans la résistance. Donc nous avons encore aujourd'hui énormément de descendants de ces familles-là qui vivent aujourd'hui dans le Lot et sont devenus français et sont français. Donc ce travail est très très intéressant pour mettre à valeur cette compagnie qui était la Nueve et notamment avec les républicains espagnols. Ce devoir de mémoire, il faut qu'il soit quotidien dans nos établissements. Je pense que c'est important que les élèves deviennent des héritiers de mémoire, qu'ils se sentent investis de ce travail de passeur. Et ça, c'est notre travail, d'essayer de leur faire comprendre que cette histoire, on en hérite et à notre tour, on la passe. Le 8 mai 2023, à la croisée des chemins de mémoire entre Carduciens français et espagnols, c'est sur la place des Républicains espagnols que les élèves du lycée Clément Marot ont honoré la 2e division blindée du général Leclerc. En présence de personnalités officielles de la ville et d'un détachement de réservistes du régiment de marche du Tchad, les jeunes héritiers de mémoire ont organisé une cérémonie d'inauguration d'un monument éphémère, commémorant l'engagement et les valeurs partagées par les soldats de la Nueve. Il ne pouvait pas y avoir une autre date et pas y avoir un autre lieu. Pour nous, c'était évident d'organiser ça ce jour-là et à cet endroit-là. Lors de la cérémonie, nous avions plusieurs objectifs. Donc, le premier, c'était de réaliser une cérémonie telle qu'elle aurait pu se passer sur n'importe quel monument aux morts. Donc réaliser une cérémonie très officielle avec des lectures de textes.
Ces textes donc, ont été les suivants, le serment de Boufra, les témoignages du capitaine Drone et du lieutenant Amado Granel sur la libération de Paris, et enfin donc l'ordre numéro 73 du général Leclerc qui dit le serment de Boufra est tenu puisque la 2e division blindée libère Strasbourg. Les trois valeurs qui nous semblent importantes à rappeler au cours de la cérémonie sont courage, fraternité et liberté. Et les mêmes en espagnol, hermandad, fraternidad y valor. El ejército del Ebro, rumba, 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 rumba. Una noche repasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche repasó, ay Carmela, ay Carmela. Le simple fait de faire une cérémonie particulière, c'est une manière d'attirer l'attention de la population sur une question différente de celle de la Seconde Guerre mondiale en général. Et ils ont ensuite mené un projet qui consistait à créer un projet vidéo qu'ils ont projeté à l'hôtel de ville devant un public. Et c'est donc une manière particulièrement habile de mettre en avant non seulement la 2e DB, mais aussi les particularités de la Nouvelle. L'objectif au départ était d'échapper à l'occupation nazie. Je suis un soldat espagnol. Je suis né le 5 novembre 1998 à Buriana. Notre projet avait vraiment comme objectif de sensibiliser la population à l'histoire d'une compagnie qu'on connaît peu, qui met à l'honneur vraiment cette fraternité d'armes. Il fallait diffuser cette histoire et ça c'était vraiment la conclusion pour aussi reconnaître notre rôle d'héritier de mémoire. Le trophée Appel à projet Leclerc, itinéraire d'un Français libre, va maintenant être remis au lycée Clément Marot de Cahors, situé dans le département du Lot. Nous invitons pour cela M. Victorio Redondo Baldrich, ambassadeur d'Espagne en France, à remettre ce trophée à la délégation du lycée Clément Marot, dont Mme Hélène Thierry, enseignante d'histoire-géographie en section Bachibac. Votre Excellence, nous vous invitons à prononcer quelques mots. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vais saluer d'abord toutes les autorités présentes, madame l'ambassadrice du Royaume-Uni, chers amis. Et c'est pour moi un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui pour rendre hommage à l'engagement, à la citoyenneté et à la fraternité d'armes à travers les destins croisés du général Leclerc et du lieutenant Amado Granel, officier de la 9e. Lorsque j'évoque l'engagement, je pense évidemment à ces femmes, à ces hommes qui, avec détermination et courage, se sont levés pour défendre les idéaux les plus grands. Le général Leclerc, avec sa division blindée, a marqué l'histoire de la France de la Seconde Guerre mondiale. Son combat pour la liberté et la dignité a inspiré des générations entières. Je souhaite aussi rendre hommage également au lieutenant Amado Granel et à ses compagnons de la 9e. Ces soldats venus de l'Espagne, après une défaite, on doit toujours se souvenir de ça. Ces valeureux soldats qui se sont engagés aux côtés des Français pour lutter, pour mener une lutte contre le nazisme. Leur contribution à la libération de Paris
est un exemple de courage et de dévouement. L'histoire des destins croisés du général Leclerc et du lieutenant Amado Granel est un témoignage vibrant des fraternités d'armes. Malgré leurs origines et leurs parcours différents, ces hommes se sont unis dans un même combat, partageant les mêmes idéaux de liberté, de justice et de solidarité. Dans ce temple de la mémoire et de la reconnaissance, je crois qu'aujourd'hui c'est un moment extraordinaire et je vous félicite à vous tous de rendre hommage à cette amitié de la France et de l'Espagne, à cette mémoire de ces hommes espagnols, français, qui ont trouvé leur destin dans la lutte pour la liberté. Je souhaite aussi exprimer, bien sûr, ma profonde reconnaissance envers les 14 élèves du lycée Clément Marot, au lycée Clément Marot en général, de l'Académie des Cahors, et surtout à Mme Hélène Théry, professeure d'histoire et géographie, qui a conduit ce projet. Grâce à ces projets, vous avez accompli un travail, je serais dire, remarquable, menant des recherches approfondies, rassemblant des témoignages et faisant revivre l'histoire. C'est une admirable façon de préserver la mémoire de ces faits historiques et d'assurer la pérennité de ces valeurs universelles. En travaillant ensemble, l'établissement Claude Elmodo de Sagunto, le lycée Clément Marot, ont créé aussi un lien précieux entre les jeunes générations de l'Espagne et de la France. Je vous félicite énormément pour votre travail et pour avoir choisi ce sujet. En honorant le passé, mesdames, messieurs, nous construisons l'avenir. Nous construisons l'avenir. Votre travail est sans doute une source d'inspiration pour les générations futures. C'est bien de parler ensemble de notre histoire. Je représente un pays du Sud, un pays voisin, un pays ami, plus qu'un pays ami. Un pays qui partage avec la France, avec vous, avec les écoliers, les étudiants, des valeurs, des principes, une histoire, tellement d'objectifs, tellement d'avenir. Et je vous remercie beaucoup, Madame la professeure, les membres du lycée de Cahors, pour avoir choisi ce sujet, parce que c'est un sujet, vous l'avez dit, souvent oublié. Et je voudrais bien dire que dans l'esprit de ces hommes-là, qui ont fait la retirade, qui ont croisé les Pyrénées, ils n'avaient rien. Ils avaient perdu leur famille, leur histoire, les grands buts de sa lutte. Mais ils ont trouvé un nouvel espoir ici en France. Ils ont su comprendre que l'objectif, ce n'était plus peut-être, ils ne pouvaient pas le faire, de rendre la liberté en Espagne, mais qu'il fallait trouver un chemin commun avec Leclerc, le général, avec la résistance française pour lutter contre le nazisme en Europe. Merci beaucoup. Excellence, nous vous remercions et nous invitons le lycée Clément Marot, dont nous sommes très heureux de la présence aujourd'hui, de venir à la tribune afin de pouvoir dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, nous sommes très touchés de recevoir cette distinction en ce lieu hautement symbolique de vos mains, Monsieur l'Ambassadeur. Pour nous, élèves de section binationale Bachibac et de section européenne espagnole, c'est un immense honneur.
Cette récompense est l'aboutissement d'une année de travail pendant laquelle nous avons découvert puis étudié les destins croisés du général Leclerc et du lieutenant Amado Granel, officier de la Nueve. C'est ainsi qu'à travers un documentaire, nous avons pu mettre en lumière leur épopée, en particulier lors de la libération de Paris, puis de celle de Strasbourg. Leur courage, leur idéal de paix et de liberté, les a réunis malgré leurs nationalités différentes et leurs opinions politiques divergentes. Être héritier de mémoire, c'est perpétuer la mémoire collective afin que l'oubli n'emporte pas certains pans de notre histoire. Notre travail nous a conduit à créer un monument éphémère inauguré lors d'une cérémonie le 8 mai dernier. Celui-ci avait pour objet de rendre hommage à ces héros et commémorer la fraternité d'armes entre Français et Espagnols. Nous souhaitons remercier les personnes et les institutions sans qui nous n'aurions pu mener à bien ce projet. Tout d'abord, notre lycée, le lycée Clément Marot de Cahors. Madame Ferrivanière, notre proviseur, présente à nos côtés aujourd'hui, nous a fait confiance et a soutenu nos professeurs dans leur démarche. Nous remercions le ministère des Armées qui nous a attribué le label héritier de mémoire, excusez-moi, qui a impulsé une dynamique extraordinaire à ce projet. Ensuite, la préfecture du Lot et la mairie de Cahors nous ont accompagnés dans l'organisation de la cérémonie du 8 mai. L'Office national des combattants, en particulier M. Parère, directeur du service départemental du Lot, nous a épaulés lors des différentes étapes de ce projet. Nous saluons aussi M. Delsart, représentant départemental du souvenir français, qui a contribué financièrement à la concrétisation de ce travail. Nous remercions également le Musée de la Résistance, de la Déportation et de la Libération du Lot, auquel nous allons confier le monument éphémère que nous avons créé afin que notre travail de mémoire perdure. L'association du 24 août 1944, La Nueve, nous a permis de rencontrer l'artiste Jean Chigaventura, ce qui fut pour nous un grand privilège. Nos remerciements les plus chaleureux vont à la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque et en particulier à son président, le général Michel. Il aura marqué nos esprits par sa remarquable conférence sur le général Leclerc et il nous a guidés dans les choix des textes de la cérémonie du 8 mai. D'ailleurs, une délégation de soldats du régiment de marche du Tchad nous a honorés de sa présence à cette occasion. Nous en profitons pour les remercier sincèrement. Enfin, toute notre reconnaissance va à Madame Geneviève Dreyfus-Armand, historienne spécialiste de l'exil des Espagnols, pour sa bienveillante relecture du scénario de notre documentaire et ses précieux conseils. Pour finir, nous remercions les professeurs qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure, en particulier Madame Thierry, qui a eu l'audace de nous inscrire à ce projet. Merci à vous. Nous allons prendre quelques photographies, puis ensuite, vous pourrez regagner la salle. Merci. Nous vous proposons maintenant de découvrir le projet du Collège Vallée du Lys, du Lys-Oléon, situé dans le département du Maine-et-Loire.
En réponse à l'appel à projet de la direction de la mémoire de la culture et des archives du ministère des Armées, écrivains en guerre, les élèves de 3e ont souhaité aborder les grands conflits du XXe siècle. En cours de français, ils ont réalisé des sculptures représentant des soldats gazés à partir du roman « Cri » de Laurent Godet. Ils ont découvert avec leurs professeurs de français des textes de résistants tels que Charlotte Delbo, Paul Éluard, Marianne Cohn, Louis Aragon et Madeleine Riffaut. Ils ont également effectué un séjour mémoriel à Paris. Un court-métrage réalisé par les élèves a été présenté aux familles et aux autres élèves du collège lors d'une soirée au cinéma du Lys-Oléon. Nous vous invitons maintenant à regarder le film documentaire mettant en lumière la richesse de ce projet. Ce film a été réalisé par l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. La Grande Guerre 14-18. Plus de 10 millions de morts. 16 nations engagées depuis les 5 continents. Le premier conflit de l'ère industrielle et son déluge de chiffres pour tenter de cerner ce que l'esprit ne peut pas quantifier. Au milieu du bilan et des dates, des images d'Épinal, des individus, leur trajectoire personnelle, leurs pensées insondables. Que se passe-t-il dans la tête d'un soldat français, allemand ou sénégalais? Peut-on comprendre la guerre si on ne comprend pas ceux qui la font, dans leur multitude et dans leur singularité? Au collège Vallée du Lys, la classe de 3e a la chance pour son projet de cumuler ces deux approches, grâce à leurs professeurs et grâce au cinéma. C'est né, dans un premier temps, de l'existence d'une classe cinéma. Et l'idée, c'était d'avoir un projet pour qu'il y ait quand même un guide durant l'année. Étant donné que la Première Guerre mondiale, c'est un sujet qui arrive assez rapidement dans le programme d'histoire, et que c'est un sujet que moi, j'aborde assez vite en français aussi, à travers notamment des lettres de Poilu, on s'est dit qu'on commencerait sur cette thématique-là. Il se trouve qu'il y avait cet appel à projet du ministère de la Défense pour écrivains en guerre. On s'est dit prof de lettres, prof d'histoire, c'est quand même ce qui colle le plus à notre thématique. Le dossier pédagogique d'accompagnement était complet, il y avait quand même beaucoup de matière. Étant donné que le cœur du projet, c'était l'écriture, on a donc souhaité aller du côté d'écrivains très différents. 25 km de là. Là, c'est Liros qui l'a le texte. On souhaitait plutôt des gens qui avaient vécu l'expérience de la guerre, que ce soit en tant que civil ou en tant que militaire. Et c'est vrai qu'en les lisant, on se rend compte qu'il y a une pluralité dans les discours. Dans cette vision de la guerre, mais qu'en même temps, tous se rejoignent dans une humanité qui est présente, qui est omniprésente. Voilà, ils sont profondément humains, quel que soit le degré de leur engagement. On voulait quelques grands noms connus aussi pour qu'ils aient des références culturelles, donc Barbus, Dorgelès, Junger, Remarque et Genevoix sont imposés d'emblée. Penser en images, imaginer les images qui iraient avec le texte, ça passe pour certains élèves, alors que ça ne passerait pas s'il n'y avait que le texte et l'obligation d'une analyse. Parce qu'on peut plus facilement se mettre dans la peau du personnage, on peut plus facilement voir ce que la personne a vécu pendant cette période. Donc je trouve ça plus facile. Il y a plein de gens qui regardent des films, des séries et des reportages. Et ça met en avant les personnes qui ont vécu la guerre. Il y a beaucoup de remises en question par rapport à l'auteur et je trouve ça super bien de nous donner aussi un point de vue d'un soldat qui nous donne une autre vision de la guerre. Ils ont été particulièrement touchés par certains écrivains qui parlent plus avec leur trip, on va dire. J'ai choisi de travailler sur la dernière partie du texte de Laurent Godet, c'est le dernier chapitre, les dernières lignes finalement, qui donne la voix au personnage de Jules, qui est un soldat, qui a vu ses camarades mourir au front parce qu'ils ont été gazés. Et il y a un paradoxe à la fin, le dernier mot du texte est bouche bée. Et ça montre bien que finalement parfois les mots, même s'ils sont là, même s'ils sont lourds de sens, ils ne suffisent pas. Il faut autre chose que des mots, quoi. Et là, j'ai demandé aux élèves de se mettre à la place de Jules, et de donner forme à ses cris en érigeant une statue. Notre texte, c'était « Rien de nouveau à l'Ouest » de Erich Remarque. C'était un extrait de ce livre où un soldat, du coup, tuait un soldat ennemi et regrettait, du coup, son acte, qui se rendait compte qu'il était... qu'il était comme lui, qu'ils avaient tous une famille,
Il y a des parents et il regrette son acte et se rend compte qu'ils sont pareils. On a voulu faire un journal de bord qui nous permet de retracer tout le travail qu'on a fait de notre réflexion pour créer notre court-métrage et jusque la finalisation, toutes nos étapes de recherche. On souhaite vraiment mettre le texte qui nous a donné l'envie de créer cette scène. Et on a voulu faire ce journal de bord dans le thème, du coup, un peu plus ancien, jaunir les pages, pour rappeler vraiment cet effet de la guerre et donner un effet ancien à notre journal. La jeunesse du projet, elle a évolué avec les élèves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur présente le projet, écrivent en guerre, qu'est-ce que ça signifie pour eux, on leur distribue les textes. Et en fait, on leur fait confiance beaucoup. On leur demande de les mettre en image. On a des élèves très très créatifs d'un point de vue art plastique qui ne sont pas forcément à l'aise avec la technique, avec la caméra. Par contre, qui en termes de dessin préparatoire, en termes de création justement des sculptures, on fait des choses extraordinaires. Et là, pour le coup, nous, en tant que professeurs, on se dit on serait bien incapable de faire ça et qui démontrent tout leur potentiel. Il y a vraiment des élèves d'une grande créativité au sein de cette classe. On va être aussi dans un projet qui permet de travailler la citoyenneté à travers toutes les actions qui sont mises en œuvre. Là, c'est tout l'intérêt de faire déborder presque des cours, on va dire, simplement, tout l'intérêt qu'on va porter à la construction du citoyen à travers toutes les actions mises en œuvre. En fait, on a une liberté pédagogique qui est très forte ici. Il y a des choix pédagogiques qui sont faits, c'est-à-dire depuis 10 ans, on est dans un établissement rural, donc l'ouverture culturelle, elle a été favorisée par l'atelier cinéma. On a liberté totale, c'est-à-dire que notre chef d'établissement, il a parfois la surprise de voir des élèves qui sont dehors, qui sont en train de creuser une tranchée au milieu du tas de compost. C'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on voit aussi que là, les élèves, lorsqu'ils sont dans ces situations-là, effectivement, ils sont derrière la caméra et puis ils vont faire quelques courts-métrages, on les voit particulièrement intéressés et partie prenante dans ces projets-là. On est sur quelque chose qui vraiment les engage physiquement aussi, hein, dans la construction de leur parcours de citoyen. Ça se fait comme ça, de manière peut-être plus naturelle, plus évidente pour eux. On a plusieurs élèves qui se sont révélés, d'autres qui ont confirmé. Il se trouve que quand on regarde le bulletin, en histoire, cette année, ça ressort. Et je pense que si ça ressort, c'est pas sans raison, c'est en rapport avec le projet. Là, ce qu'il crée, ça va être vu par les autres. Il y a des spectateurs. Et ça donne du sens. Il y a une réception qui va se faire. Et ce qu'ils vont créer, ça va être aussi reçu différemment. Et ça, c'est important. On met aussi en lumière leur travail. Et on travaille en équipe. Ça mobilise beaucoup de compétences, travailler en projet comme ça. Ça se fait par petites touches. Ça se fait pas en une seule fois. Mais en tout cas, c'est un regain de confiance qui peut permettre à l'élève de rebondir et puis d'aller plus loin que ce qui était programmé, on dirait, au départ. C'est tellement gratifiant au bout, pas pour le prix, pas pour la récompense, mais pour le fait qu'on voit ces réussites qui sont beaucoup plus discrètes par ailleurs. Enfin, on arrive certainement à emmener des élèves sur une séance, mais de là à avoir cette quantité d'élèves qui est emmenée et puis un résultat collectif comme celui-ci, c'est quand même assez rare. Leur ami d'hier peut devenir leur ennemi d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on remettra le pied à l'étrier quand on recommencera. Remettre le trophée appel à projet écrivain en guerre au collège Vallée du Lys du Lys-Oléon, j'invite à la tribune monsieur Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci à la délégation du collège Vallée du Lys, dont monsieur Sébastien Farouel, enseignant en histoire-géographie, de le rejoindre à la tribune. Thank you.
nous invitons Monsieur Geoffrey à prononcer quelques mots. Bien, messieurs les directeurs, chers amis, mesdames et messieurs, messieurs les professeurs et principaux, chers élèves. Alors, vous ne le savez peut-être pas, chers élèves, mais en général, quand on intervient dans ce type d'hypothèse, on vous prépare quelques éléments sur un papier. Donc j'aurais dû vous dire quelque chose que je n'ai pas vous dire. Parce qu'en regardant cette vidéo et votre projet, j'ai été assez touché. Et j'ai été d'autant plus touché que vous êtes dans un lieu que j'apprécie énormément, qui s'appelle le Panthéon. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le visiter ce matin ou si vous allez le visiter après, mais en tout cas, je vous invite à le faire. Et qui dit énormément de choses sur ce qu'est la France, ce qu'est son âme, et ce que sont les hommes et les femmes qui l'ont servi, la servent et la serviront encore. Et il se trouve que derrière nous, alors le problème c'est que vous avez du mal à vous déplacer, mais vous avez dû observer depuis tout à l'heure que vous êtes là, il y a une fresque qui représente, alors c'est derrière au sens ici, vous verrez après, mais sinon je m'écarte pour les autres. Il y a une fresque qui représente le départ d'un homme à la guerre. Il est appelé, nous avons deux cavaliers à cheval avec des trompettes qui appellent au combat pour défendre probablement son pays, alors que l'aube se lève et que la nuit s'estompe. Et cet homme, il est à la fois plein de courage, il est en armes, il est prêt. C'est tout l'honneur que vous avez pointé tout à l'heure. Mais en même temps, c'est un honneur qu'il accomplit avec une forme de solennité, de tristesse, et il dit adieu à sa famille. Et ce que vous avez saisi dans votre projet, c'est précisément, et vous l'avez dit très très bien dans cette vidéo aussi, l'humanité. Il y a parfois un devoir à accomplir et qui est accompli collectivement, et puis il y a l'humanité d'individus irréductibles. Et en essayant de saisir ce que sont ces individus, en essayant de comprendre ce qu'ils ont pu ressortir, eh bien finalement vous vous inscrivez dans une tradition qui vise, vous voyez, à la fois à rendre hommage à la mémoire et à l'histoire, et puis qui en même temps essaye de saisir ce que sont ces hommes. Tout à l'heure, votre professeur disait qu'à la fin de son ouvrage, l'un des personnages terminait bouche B, parce qu'il est précisément au terme et que les mots ne suffisent plus. Quand vous regarderez cette fresque, vous constaterez que celui qui part bouche close. Parce que là aussi, parfois, les mots ne suffisent pas. On a besoin des mots, on a besoin des images, on a besoin de travail comme celui que vous avez fait. Et donc, c'est à ce titre que je souhaitais vous rendre hommage et vous féliciter pour votre très beau projet. J'en profite pour dire que ce projet, il s'inscrit donc dans le cadre d'une politique publique, mémorielle, portée par le ministère de la Défense, enfin des Armées, et le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr. Il s'inscrit aussi dans la volonté que tous les élèves, qui a été réaffirmée par le Premier ministre, que tous les élèves au cours de leur scolarité puissent visiter au moins une fois un lieu de mémoire. Parce que vous êtes ancré, vous êtes debout, vous êtes ancré dans une mémoire, et que pour savoir d'où on vient, il faut savoir d'où on vient. Et donc, tous les élèves de France et de Navarre, désormais, dans leur scolarité, devront avoir visité au moins un lieu de mémoire, et pour cela, nous mobilisons un dispositif qui s'appelle le Pass Culture, par collectif Pass Culture, qui sera étendu d'ailleurs au 6e, 5e dès la rentrée, et dont vous pourrez d'ailleurs bénéficier à titre individuel dès vos 15 ans et jusqu'à vos 20 ans. Donc vous voyez, nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez vous approprier cette histoire dans sa complexité, dans ses singularités, dans ses zones de lumière et ses zones d'ombre. Permettez-moi de vous dire qu'en faisant des projets de cette nature, mesdames et messieurs les professeurs et chers élèves, vous nous rendez bien ce que nous tentons de vous donner. Donc, vraiment, 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 toutes mes félicitations au nom du ministère et en mon nom propre. Nous invitons le Collège Vallée du Lys. Nous sommes très heureux de la présence aujourd'hui à dire quelques mots. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec honneur et fierté que nous sommes ici, à la cérémonie Héritier de mémoire, pour présenter le projet sur lequel nous travaillons depuis septembre 2022 au Collège Vallée du Lys à Vie. Pour commencer, certains élèves ici présents ont pu, en 5e et en 4e, participer à un atelier cinéma qui avait pour but de découvrir des méthodes cinématographiques et de pouvoir, par la suite, à partir de thèmes précis, créer leur propre court-métrage afin de pouvoir, par la suite, le projeter au cinéma de la ville.
Depuis cette année, une classe à profil cinéma a été créée afin de pouvoir réunir différentes matières, telles que le français et l'histoire, autour d'un seul et même thème, les écrivains en guerre. Nous avons donc, par la suite, répondu à l'appel au projet Écrivains en guerre pour créer un court-métrage autour de ce thème. Ce thème était pour nous important à mettre en image, important pour mieux comprendre la guerre et ses horreurs, important pour se remémorer l'existence de ces grands hommes qui se sont battus pour défendre leur patrie. Par groupe, nous avons pu étudier de nombreuses œuvres d'écrivains et d'artistes qui ont représenté la guerre, venant de différents pays, tels que Maurice Genevoix, duquel nous avons étudié des extraits de ceux de 14. Nous avons aussi étudié des passages du livre « À l'Ouest, rien de nouveau » d'Éric Maria Remarque de 1928. Un passage a d'ailleurs pu nous faire réfléchir, dans lequel l'auteur évoque son rapport aux soldats ennemis. « Si nous jetions ces armes et cet uniforme, tu pourrais être mon frère. » Cet extrait nous montre que tous les hommes sont égaux et empreints d'humanité. De plus, certains groupes ont pu travailler sur Henri Barbusse ou Ernst Jünger. Chaque groupe a d'abord étudié un de ces extraits et par la suite ont imaginé une manière de le mettre en image. Chacun y a apporté sa sensibilité et sa personnalité, que ce soit par du stop motion, par de la prise de vue réelle ou encore en créant ses propres accessoires. Lors d'un précédent voyage à Paris, nous nous étions déjà rendus ici, au Panthéon, sur les traces de grandes femmes et de grands hommes qui ont défendu les valeurs de la France. Parmi eux, des écrivains et des soldats, comme Maurice Genevoix. Nous avions aussi pu nous recueillir sous l'Arc de Triomphe, près de la flamme du soldat inconnu, penser à ces soldats dont on a oublié le nom, mais pas le sacrifice, grâce notamment aux textes des écrivains. Tout ce travail fut une grande fierté pour nous tous. Le fait de travailler sur ce thème rend l'histoire moins lointaine. Nous avons pu apprendre différemment cette guerre, et nous avons pu nous mettre à la place des écrivains et artistes. Nous sommes honorés d'être ici, à côté de ces installations pour Maurice Genevoix, à côté des noms des écrivains morts pour la France. Nous sommes très reconnaissants envers notre collège, nos professeurs et le ministère de la Défense de nous avoir permis de vivre cette expérience. Merci. Merci beaucoup à tous. Nous allons prendre quelques photographies, puis nous vous invitons à regagner la salle. Merci à tous. Nous vous proposons maintenant de découvrir le projet pédagogique d'enseignement de défense de l'école Émile Roux de Soisy-sous-Montmorency, situé dans le département du Val-d'Oise. Ce projet pédagogique, Matilda in the Library, qui prend la forme d'une comédie musicale, implique des élèves de niveau élémentaire, de CE2, CM1 et de CM2. En réponse à l'appel à projet Écrivains en guerre, ils ont mis en scène un spectacle intitulé Matilda in the Library, une comédie musicale qui a été jouée et chantée en anglais, inspirée du roman Matilda de Roald Dahl. Cette pièce met donc en scène Matilda, qui découvre dans la bibliothèque les œuvres d'écrivains tels que Antoine de Saint-Exupéry, Ernest Hemingway ou Jean Anouilh. Les élèves ont écrit le spectacle et les dialogues et une chorale accompagne les scènes jouées. Pour ce projet, l'ensemble des élèves ont réalisé les décors, les meubles, les accessoires mais aussi les costumes. Ils ont écrit le spectacle et les dialogues. Nous vous invitons à découvrir la présentation de ce projet par l'école Émile Roux de Soisy-sous-Montmorency, que j'invite à me rejoindre à la tribune. Aborder les grandes guerres avec des enfants reste chaque année un sujet très sensible. Comment édulcorer l'horreur des tortures et des pertes humaines sans trahir notre devoir de mémoire?
Cette année, nous avons tenté une entrée un peu différente, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle nous mènerait ici, au Panthéon. Dans le roman de Roald Dahl, la bibliothécaire dit à Mathilda, au sujet des grands auteurs, « Même si tu ne comprends pas tout, laisse les mots te bercer comme une musique. » Ce projet est né d'une envie de toucher les élèves. La bibliothèque de notre pièce de théâtre s'installe au cœur d'une histoire drôle et légère, mais qui aborde des sujets très, très sérieux. Elle propose sur une étagère des livres classés par genre, l'humour, justement, tout près de la gravité des écrivains en guerre. Comme si la légèreté devenait une toile de fond lorsque la neige vient figer nos vies. Mathilda in the Library a été jouée et chantée en anglais par trois classes. Donc ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas le reprendre. Et l'importante scène se trouve dans la bibliothèque. Et j'en profite au passage pour remercier très chaleureusement la directrice Diane Bourguignon, parce que la scène centrale se déroule justement dans une bibliothèque que vous verrez dans le petit montage tout à l'heure, qui a été reconstituée pour l'occasion par des centaines de livres. C'est au cœur de cette bibliothèque que Mathilda, rejetée par ses parents, trouvera une occasion de devenir libre. Après avoir lu tous les livres pour enfants, elle y découvre les grands auteurs et donc les écrivains en guerre, les fameux écrivains en guerre. Dans la vidéo, vous allez voir des extraits dans la langue des auteurs, donc en français, « Pilote de guerre » de Saint-Exupéry, « Aux heures de paix » de Robert Desnos. Et puis pour « Liberté » de Paul Éluard, nous avons choisi un extrait traduit en anglais, puis en ukrainien, langue natale de la lectrice. Ces lectures feront de Mathilda une personne tout à fait exceptionnelle. Elle trouvera alors la force de lutter contre la terrible directrice de l'école à laquelle elle était inscrite, qui est un personnage très emblématique dans le roman. Et elle entraînera donc tous ses camarades à voir dans cette cruauté un peu plus loin que justement cette façade. Dans le cadre de ce même projet, les élèves de CM ont découvert des témoignages poignants de la résistance en Ubaye dans les Alpes de Haute-Provence avec l'équipe de Réchastel lors de la randonnée en classe de neige sur le thème « Montagne et résistance » organisée par la ville de Soisy sous Montmorency. Alors aujourd'hui, je souhaite à tous nos élèves qu'ils se souviennent très très longtemps de cette cérémonie, de cette matinée et surtout qu'ils la racontent encore et encore. Monsieur l'inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de cette chance inouïe que vous nous avez offerte, cette chance d'avoir posé quelques pierres pour façonner et consolider le chemin de mémoire. Vous pouvez vous installer. Merci. Let's see, explain. Matilda.
continue plus de couler. On est vaincu, dit-on. Les populations, cela est déjà plus vrai. Elles se la craignent d'elles-mêmes. Il est une contagion dément dans cet exode, car, au ventier, c'est mal à vous. Ils se mettent en marche vers le sud, comme s'il était là-bas des logements et des aliments, comme s'il était là-bas des tendresses pour les accueillir. Mais il n'est dans le sud que des villes pleines à craquer, où l'on coule sur les hangars, où les plus généreux se font peu à peu agressifs à cause de l'absurde de cette invasion qui peut arriver. Il me revient renvoyé par les échos, mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs, battant comme le mien à travers la France. Ils battent même au rythme, pour la même besogne de tous ces cœurs, leur bruit est celui de la mer, à l'assaut des falaises. On the jungle, the desert, on mess, on reed, on the echo of my childhood. Les élèves de l'école Émile Roux vont maintenant interpréter deux chansons, When I Grow Up, puis School Song tiré de la comédie musicale. Before you're grown up, and when I grow up,
Merci aux élèves de l'école Émile Roux pour cette interprétation. Nous invitons à présent à la tribune Madame Véronique Nativelle, directrice, adjointe au secrétaire général pour l'administration du ministère des Armées et la délégation du collège Saint-Bruno de la Tour du Pin, située dans le département de l'Isère, dont Madame Marie-Louise Ducaroz, référente de la classe Défense et Citoyenneté, pour la remise du trophée Innovation. Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne en France, Monsieur le directeur, Monsieur le conseiller, Mesdames et Messieurs, chers élèves, je suis heureuse d'être parmi vous pour saluer vos engagements, tant vous, chers collègues du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, vous, proches collègues des armées, et vous, chers élèves. Héritier de mémoire est un engagement, une responsabilité et un devoir que vous avez endossé au profit de la mémoire collective et dès lors de nos valeurs, de notre identité et, si nous pouvons en formuler l'espoir, au profit de la paix. Pourquoi une responsabilité ? Parce qu'à travers vos actions, vous rendez compte autour de vous, à vos camarades, plus tard à vos enfants, de notre histoire commune, de ce qui a construit ce pays, de ce qui nous fédère et de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est donc un bel engagement, un beau défi, une action honorable que je salue au nom du secrétaire général pour l'administration. En outre, vous vous êtes emparé d'une page d'histoire de la France avec ce que vous êtes, des jeunes gens sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir et avec juste raison. Alors d'abord parce que vous avez la lourde responsabilité et la générosité de nous assurer plus tard une retraite heureuse, mais surtout parce que vous disposez d'une aptitude à entrer facilement dans un monde en transformation, une transformation dont vous êtes partie prenante, où vous inventez, où vous innovez, où vous projetez et vous préparez le futur. Tout ceci nous rassure et nous rend optimistes. Et je veux ici saluer la créativité avec laquelle vous, élèves, accompagnés de vos enseignants, vous vous êtes engagés dans ce travail pédagogique de mémoire. À la lecture et à l'écoute de vos projets, j'ai mesuré combien cette expérience mémorielle pouvait prendre des formes diverses, à la fois mobiliser des outils numériques, se confronter à des lieux de mémoire et retenir ce qu'ils nous révèlent, s'ouvrir à la création artistique. C'est d'ailleurs, à mon sens, l'enseignement à tirer du projet pédagogique conduit par les élèves du collège Saint-Bruno de la Tour du Pin, à qui je m'apprête à remettre le trophée avec la mention « innovation », l'innovation étant chère à mon quotidien. Pour votre projet, chers élèves, intitulé « Créons un musée virtuel en hommage à Roland de la Poippe et à l'épopée du Normandie-Niémen », vous, élèves de 3e, avez contribué au travail de mémoire en concevant ce musée numérique à l'occasion du 80e anniversaire du Normandie-Niémen. Vous rendez ainsi hommage à un homme courageux, passionné par l'aviation, qui s'engagea à 20 ans dans les forces aériennes françaises libres et, à force de formation rapide et de courage, accomplira des exploits en abattant notamment des appareils ennemis. Comme vous l'avez exploré, sa conduite hors norme en fera le premier Français, avec son camarade Marcel Albert, à être fait héros de l'Union soviétique. Grand croix de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération pour ne citer que quelques décorations, ce héros des combats est ensuite devenu un héros dans la vie civile, un innovateur, un personnage qui doit inspirer les jeunes gens que vous êtes et qui ont devant eux l'avenir à nous construire. Je vous remercie et vous félicite très sincèrement de l'engagement dont vous avez fait preuve pour ce projet et globalement pour l'ensemble de ces projets. Merci à vous et très vives félicitations. Merci
Madame Nativel. Nous invitons la délégation du Collège Saint-Bruno à nous rejoindre à la tribune afin de dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, nous sommes très honorés d'avoir été sélectionnés pour recevoir le prix Innovation. Nous souhaitons remercier la Direction de la Mémoire, de la Culture et des Archives du ministère des Armées, la Fédération Maginot. Nous adressons nos chaleureux remerciements à Madame Séchaud, secrétaire du Normandie-Niémen, à Monsieur Yves Donjon, documentaliste du Normandie-Niémen, pour la relecture de notre projet. Nous remercions également chaleureusement le Mémorial Normandie-Niémen, son président Pierre Roux, présent parmi nous, son vice-président Jean-Pierre Tron, sa secrétaire adjointe Geneviève Bormelard, fille de Pierre Janel, pilote du Normandie-Niémen, à son administrateur, Bertrand de la Salle, présent parmi nous, fils de Charles de la Salle, chef d'escadrille du Normandie-Niémen. Nous les remercions pour leur soutien, leur disponibilité, leur accueil tout au long de ce projet. Merci beaucoup. Merci, nous allons prendre quelques photographies, puis ensuite, Madame Nativel, si vous souhaitez regagner la salle pour profiter au mieux de la présentation du musée virtuel. Merci. Nous vous proposons maintenant de découvrir le musée virtuel Roland de la Poippe, réalisé par des élèves de 3e de la classe Défense et Citoyenneté. Ce musée porte sur Roland de la Poippe et l'épopée du Normandie-Niémen à l'occasion du 80e anniversaire du Normandie-Niémen. Pour ce projet, les élèves se sont rendus à Paris afin de visiter le musée de l'air et de l'espace et d'assister à la conférence sur l'épopée du Normandie-Niémen. Ils y ont également rencontré Madame de la Poippe, artiste plasticienne et seconde épouse de Roland de la Poippe. À leur retour, ils ont réalisé un carnet de bord et un podcast qui est diffusé sur le site internet du collège. Ensuite, en technologie, les élèves ont travaillé sur le logiciel Sweet Home 3D afin de créer le musée virtuel. Enfin, ce travail s'est conclu par la présentation du projet à Madame Marie-Noëlle de la Poippe, propriétaire du château de Serrières. Des visites du musée sur tablette numérique ont également été organisées au CDI pour les autres classes de l'établissement. Nous vous invitons à découvrir ce musée virtuel par le Collège Saint-Bruno lui-même. Voilà, je vous invite. Pour réaliser ce musée virtuel, petite rectification, nous n'avons pas utilisé Sweet Home, nous avons utilisé un logiciel du nom de artstep.com. Dans la première salle, vous pouvez voir les tableaux qui ont été réalisés par les élèves et qui ont été inspirés par le pilote Pierre Deschanet. Dans la seconde salle, nous avons présenté le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, dans la troisième salle, nous avons mis une frise sur l'année 43.
La quatrième salle représente le Normandie Niemen et ses pilotes. La cinquième salle retrace la vie de Roland de la Poix, qui est compagnon de la Libération, héros de l'Union soviétique, jusqu'à sa mort. Ce projet rend hommage à tous les héros du Normandie Niemen. Bonjour, la classe et moi-même tenons à vous présenter le Normandie Niemen. Le 22 juin 1941, lorsque Hitler déclenche l'opération Barbarossa et que les troupes allemandes envahissent l'URSS, l'ambassade de France sur place qui représente le régime de Vichy plie bagage. Il n'y a donc plus de représentants de la France en URSS. Le général de Gaulle décide d'envoyer en URSS une nouvelle présence française. C'est donc en 1942 qu'arrive sur la base d'Ivanovo, non loin de Moscou, un groupe de 62 volontaires, dont 14 pilotes, accompagnés de leurs mécaniciens et personnels. Ils sont issus de pilotes français intégrés dans la Royal Air Force ou des forces françaises libres au Moyen-Orient. Ensemble, ils vont former une nouvelle unité qui répond au nom de Normandie. Ces pilotes se sont tous portés volontaires. Sur le front de l'Est, les combats ne manquent pas et les Russes fournissent même à cette nouvelle unité leur propre matériel, des chasseurs Yak-7. L'escadrille brille tant et si bien aux côtés des Russes que le maréchal allemand Keitel ordonne que tous les prisonniers français sur le front de l'Est soient déportés et exécutés. Ce qui ne découragea pas les pilotes, dont certains vont même s'illustrer. Le capitaine Albert Littolf, un as de la bataille de France, se bat désormais à l'Est. Ce n'est qu'après avoir battu un total de 14 appareils ennemis qu'enfin les Allemands parviendront à détruire son appareil alors qu'il défendait des aviateurs soviétiques. Là encore, on ne retrouva le corps d'Albert Littolf qu'en 1960, toujours aux commandes de l'épave de son avion. Il est alors rapatrié en France et repose désormais à Marseille. En novembre 1943, à force de combat, les pertes sont terribles, 20 pilotes français sont tombés. Les mécaniciens sont désormais tous soviétiques et des pilotes français sont envoyés en renfort. Le groupe est retiré du front, mais les pilotes refusent de se reposer. C'est le cas de Marcel Lefebvre qui impressionne les nouveaux venus et s'assure de les former aux appareils soviétiques. Au printemps 1944, c'est donc une escadrille Normandie forte de 61 pilotes qui retourne au combat. Marcel Lefebvre tombera devant les hommes qu'il a formés le 28 mai 1944 car de retour de mission, il posa son avion en flammes sur la piste de la base où stationne l'escadrille. Il mourra de ses blessures le 5 juin 1944, ignorant qu'au même moment, les Alliés sont en route pour débarquer en Normandie et lancer la libération de la France le 21 juillet 1944. Joseph Staline en personne félicite l'unité pour sa participation au combat au-dessus du fleuve Niemen. Il a, au travers de celle-ci, souligné que la France est la seule nation alliée à avoir envoyé des troupes se battre aux côtés des troupes russes. D'autres actes vont d'ailleurs souder cette amitié, comme le sacrifice du lieutenant Maurice de Seine, qui durant ce même mois de juillet 1944, alors que son avion est en feu et qu'on lui ordonne de sauter, refuse de le faire car il a à son bord son mécanicien soviétique qui, lui, n'a pas de parachute puisqu'il ne devait effectuer qu'un court trajet. Staline demandera à ce qu'il soit enterré côte à côte. Toute l'URSS entendra ainsi parler de ce pilote de l'unité française qui a préféré mourir plutôt que d'abandonner un camarade russe. Mais au-delà des sacrifices, ce sont surtout les pertes infligées par le Normandie Niemen aux Allemands qui font la réputation de cette escadrille, qui fait qu'elle est aussi connue du côté allié que du côté allemand. L'escadrille Normandie Niemen sera la première unité française à stationner sur le sol allemand et poursuivra les combats jusqu'à la fin de la guerre. Elle est alors devenue l'unité française la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale. Elle a un tableau de chasse assez spectaculaire. 273 victoires aériennes confirmées au prix de la vie de 42 pilotes tombés pour la France. Staline, pour remercier les pilotes, les autorise à conserver leur avion et à rentrer en France à bord de ses appareils. En 1945, le groupe de chasse Normandie-Niemen rentre donc enfin en France et c'est devant une foule immense que ces yaks vont se poser au Bourget 21. En 2012, lors des funérailles de Roland de la Poix, la Russie enverra sur place les cœurs de l'armée rouge lui rendre un dernier hommage. Les hommes du Normandie Niemen sont compagnons de la Libération et une vitrine leur est dédiée au musée de l'Ordre de la Libération. Bonjour, je vais vous parler de Roland de la Poix. Roland, Pauls, Divois de la Poix est né le 28 juillet 1920 au Prado, dans le Puy-de-Dôme. Son père,
ingénieur agronome et colonel de réserve, sera tué à l'ennemi en mai 1940. Le 5 décembre 1939, Roland de la Poippe, étudiant, s'engage pour la durée de la guerre au bataillon de l'air 131 du Mans. Pilote à l'école principale d'aviation d'Étampes, en mars 1940, il entend l'appel du 18 juin et décide de rallier l'Angleterre. Il quitte la France à Saint-Jean-de-Luz le 24 juin 1940 en embarquant clandestinement sur l'Ettrick, un bateau polonais à destination de l'Angleterre. Parvenu à Plymouth, il s'engage rapidement dans les forces aériennes françaises libres. Il prend part à l'expédition de Dakar, puis à la campagne du Gabon en qualité de mitrailleur de groupe réservé de bombardement. En novembre 1940, il est renvoyé en Grande-Bretagne pour parfaire son entraînement dans les écoles de pilotage de la Royal Air Force, à Odiham en février 1941, puis à Sewell en avril et à Ternil en juillet. À partir d'octobre 1941, Roland de la Poippe suit des cours de l'Operational Training Unit de Landau au Pays de Galles, avant d'être affecté au Squadron 602 en février 1942, au sud de Londres. Il est pendant 6 mois l'adjoint du chef du groupe, l'As-Irlandais Paddy Finucane. Pendant cette période, il escorte les bombardiers dans leur mission. En mars 1942, il endommage un Messerschmitt 109 le 13 avril 1942 et abat son premier avion ennemi, également un Messerschmitt 109 le 22 août 1942. Après une soixantaine de missions et la mort de Paddy Finucane, il se porte volontaire pour rejoindre le groupe de chasse numéro 3, Normandie, qui doit se constituer au Moyen-Orient avant de partir pour la Russie. Il arrive en Russie à Astrakhan, via l'Afrique noire, l'Égypte et Téhéran, fin novembre 1942, avec le premier contingent du CG3. Sous-lieutenant, pilote, chef de patrouille à bord de son yacht de fabrication soviétique, Roland de la Poippe est ensuite nommé commandant en seconde de la première escadrille du groupe de chasse numéro 3, Normandie, en octobre 1943. Promu lieutenant en décembre 1943, Roland de la Poippe se distinguera pendant les opérations d'Orel, de Smolensk, de Minsk et bien sûr du Niemen. Au cours des batailles du front de l'Est, il abat 15 appareils ennemis. Le 16 octobre 1944, il abattra 4 appareils dans la même journée. Fait héros de l'Union soviétique avec son camarade Marcel Albert, Roland de la Poippe, après une permission en France, début 1945, reçoit le commandement de la 1ère escadrille avec le grade de capitaine. La guerre terminée, le régiment part pour la France et arrive au Bourget le 20 juin 1945. Comme tous les autres pilotes survivants du régiment, Roland de la Poippe, en raison de sa conduite au combat, titulaire de 10 citations à l'ordre de l'armée aérienne et de 2 citations à l'ordre de l'aviation de chasse, et totalisant 1200 heures de vol, est autorisé par Staline de ramener son yacht sur le territoire français. Affecté au 2e bureau de l'état-major de l'armée de l'air en mars 1946, Roland de la Poippe quitte l'armée en 1947. Le commandant de réserve Roland de la Poippe, redevenu civil, exerce après la guerre plusieurs fonctions. Agriculteur, propriétaire de fermes modèle éleveur, et industriel, société d'études et d'application du plastique. Il est l'inventeur du Berlago d'Op et de la Méhari. Il est également maire de Champigny, Maine-et-Loire, de 1955 à 1971, et le fondateur de Marineland, Antibes, en 1970. Il est nommé membre du Conseil de l'Ordre de la Libération en septembre 2002. Roland de la Poippe est décédé le 23 octobre 2012 à Saint-Tropez, dans le Var. Il est inhumé à Cosens, commune de Trèpes en Isère, au pied de la chapelle Saint-Didier. Merci pour cette présentation. Nous vous invitons à présent à regagner la salle. Nous vous proposons à nouveau un intermède musical. Les élèves de l'école Émile Roux de Soisy-sous-Montmorency vont interpréter l'hymne des fraternités, puis Nuit et brouillard de la comédie musicale Matilda in the Library.
Merci aux élèves de l'école Émile Roux de Soisy-sous-Montmorency d'avoir interprété ces chansons. Nous invitons maintenant Monsieur Rachid Azouz, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, à venir remettre le trophée Animation musicale à l'école Émile Roux, située dans le département du Val d'Oise. Merci à la délégation de l'école Émile Roux, dont Madame Nathalie Pantel, professeure des écoles, de nous rejoindre à la tribune. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, les représentants de la DGESCO, j'espère n'avoir oublié personne, du cabinet de madame la ministre. J'ai presque plus grand chose à dire. Vous nous avez époustouflés, madame. Les élèves, comment vous avez réussi à agréger des élèves de CE2, CM1, CM2 pour livrer une prestation de qualité sur cette dernière chanson magnifique de Jean Ferrat. Donc, on ne peut que vous féliciter pour cette prestation musicale. Alors, vous êtes ici dans un monument emblématique, un lieu de mémoire où il y a des grandes dames et des grands hommes. Je pense à Joséphine Baker, Simone Veil, Jean Moulin, Jean Zay. Et là, on reçoit des élèves qui finalement s'engagent sur un projet extrêmement intéressant. Alors, vous avez essayé de vous inspirer du roman de Roald Dahl, qui est donc un roman de littérature jeunesse, et surtout, vous avez pu lire des grands écrivains comme Saint-Exupéry, qui sont vraiment des symboles de notre littérature. Vous avez rédigé des dialogues extrêmement précis, vous avez chanté avec justesse, vous avez fait des décors, réalisé les meubles, les accessoires, les costumes. La mise en scène que l'on a vue tout à l'heure est exceptionnelle, chers élèves, chers professeurs. Les costumes sont très très bien choisis, il n'y a aucune erreur d'interprétation. Et surtout, vous avez vraiment mobilisé différents enseignements. L'histoire, bien sûr, le français, les arts plastiques, l'éducation musicale, l'anglais. Alors, je tiens sincèrement à vous féliciter pour ce projet et surtout, je voudrais vous faire réfléchir un petit peu. Vous êtes des élèves de CE2, CM1, CM2. Il y avait une grande résistance qui s'appelait Lucie Aubrac, qui disait « Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. » Eh bien, pour la suite de vos scolarités, je vous dirais « Le verbe s'engager doit toujours se conjuguer au présent. » Bravo, chers professeurs. Bravo, chers élèves, pour cet engagement. Continuez sur cette voie à nous proposer de beaux projets. Et ce projet restera longtemps dans notre mémoire et dans la vôtre. Bravo à vous. Merci, Monsieur Azouz. Félicitations aux élèves pour leur capacité à rester concentrés aussi longtemps. Je suis très très fière d'eux. Je voudrais remercier également mes collègues qui sont un peu dans l'ombre là-bas mais qui travaillent vraiment largement, ainsi que toute l'école Émile Roux 2 qui soutient le projet dans un grand dynamisme d'équipe et bien sûr notre inspectrice qui est présente ce soir, Madame Rebou Antonelli. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Nous vous invitons à prendre quelques photographies. Nous vous invitons à prendre quelques photographies avant de regagner votre place. Ah.
Nous invitons à présent à nous rejoindre à la tribune Madame Mena Rawlings, ambassadrice du Royaume-Uni en France, pour remettre le trophée Mémoire partagée. Et la délégation du collège Les Dauphins de Saint-Jean-de-Soudun, situé dans le département de l'Isère, dont Madame Marion Eliane Spielmann, professeure d'histoire-géographie et EMC. Les élèves de 3e du collège Les Dauphins ont travaillé sur un projet pluridisciplinaire intitulé « Héritiers de mémoire, les écrivains en guerre, témoins et acteurs des deux conflits mondiaux ». En français, ces élèves ont étudié l'œuvre de Joseph Kessel, « L'armée des ombres », et découvert avec leur professeur d'anglais le conflit vu depuis l'Angleterre. En art plastique, ils ont appris à étudier différentes œuvres picturales. Et en mathématiques, ils ont travaillé sur les apports de la science au service de la guerre. Pour ce projet, ils ont effectué 2 séjours mémoriels, à Londres et en Normandie. Leur production finale est un roman graphique constitué de textes rédigés et d'illustrations produites par les élèves, en langue française et anglaise, et évoquant la mémoire des 2 conflits mondiaux. Votre Excellence, nous vous invitons à prononcer quelques mots. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous. Comme on dit en anglais, follow that. C'est difficile, mais je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui à cette belle cérémonie et je suis très honorée de remettre le trophée qui récompense le projet Mémoire partagée. Toutes mes félicitations au Collège Les Dauphins de Saint-Jean de Soudan. Je suis très, très admirative de votre projet. Je sais que vous vous êtes beaucoup intéressée à la vision du conflit depuis l'Angleterre, spécialement pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez visité à Londres plusieurs endroits clés de la guerre dans notre pays, y compris, par exemple, l'Imperial War Museum, le Cabinet War Rooms, et bien sûr, le siège de la BBC. Vous avez visité aussi les plages du débarquement en Normandie. Votre projet reflète tout à fait à quel point nous avons, nous les Britanniques et les Français, une mémoire partagée de ce conflit. Et pour moi, tout cela nous rappelle les liens durables et vitaux entre nos deux pays, le Royaume-Uni et la France. Quels que soient les hauts et les bas à court terme de nos relations, nous sommes toujours alliés, partenaires, voisins, amis. Voir le travail émouvant de ces élèves et les sentiments d'histoire partagée et de camaraderie entre nos pays, c'est pour moi une source de joie et d'optimisme, comme nous restons unis et solidaire, et nous regardons ensemble l'avenir. Encore une fois, toutes mes félicitations pour ce projet bilingue. Merci encore à toutes et à tous. Votre Excellence, nous vous remercions et nous invitons maintenant la délégation du Collège Les Dauphins à nous rejoindre à la tribune pour prononcer quelques mots, puis on fera quelques photographies. Bonjour, je m'appelle Lia Courtina. Mes camarades et moi venons du collège Les Dauphins à Saint-Jean-de-Soudun, en Isère. Nous sommes accompagnés de la principale du collège, Madame Soudun, de la gestionnaire, Madame Akari, et des 4 enseignants à l'origine du projet, Madame Dubois, Madame Locatelli, Madame Spielmann et Monsieur Clarisse. Je suis une élève de 3e. Cette année, dans les classes de 3e TREC,
Troisième Horizon et Troisième Odyssée, nous avons participé à un projet interdisciplinaire intitulé « Artistes et scientifiques en guerre, témoins et acteurs des deux conflits mondiaux ». En histoire, nous avons étudié les deux grandes guerres mondiales, en art, les gueules cassées, en mathématiques, le codage à travers la machine Enigma et le personnage d'Alan Turing, en anglais, nous avons découvert la vie des Londoniens durant le Blitz. En français, nous avons étudié des œuvres et réalisé des biographies. Nous avons trouvé ce thème très intéressant. Cela nous a rapprochés de ce qu'avaient vécu toutes ces personnes durant cette guerre, bien qu'il nous est impossible de connaître cette peur qui les habitait chaque jour. C'est pour cela que nous remercions nos professeurs et tous les adultes qui ont créé ce projet que nous avons beaucoup aimé. Je vais maintenant laisser la parole à ma camarade qui va vous présenter en anglais notre voyage scolaire sur les traces des artistes et scientifiques engagés. Good morning, I'm Sarah Bodo. We were 65 pupils and 4 teachers on Saturday, March the 25th. When we went on a trip in London, United Kingdom, and Normandy, France. Obviously, we visited famous monuments and places of London, like Big Ben, the London Eye, and Buckingham Palace, for example. All year long, we worked about the world wars. So in United Kingdom, we visited places about the Blitz, and Enigma, like Bletchley Park. We also visited places about the armed forces, the air forces, and the navy forces, like the Royal Air Force, and the war museums. We saw an exhibition about the D-Day, and when we were back in France, we saw the D-Day from the other side, by visiting the beaches and the American cemetery and the Memorial of Caen. This trip was very interesting and it was a good way to help us to understand more about the World Wars. Bonjour. Moi, je suis pas assez fort en anglais pour la faire comme ma camarade. Du coup, ben, je vais finir en français. Donc, comme fin de ce projet, on a dû faire une tâche finale autour des artistes et scientifiques en guerre. Mes camarades et moi avons travaillé sur la réalisation d'un roman graphique, donc une BD. Nos professeurs ici présents nous ont demandé seuls, à deux ou à trois, de nous mettre dans la peau d'un acteur de l'un des deux conflits mondiaux et de raconter, en français ou en anglais, son point de vue de la guerre. Certains élèves ont choisi d'être un soldat sur une plage de Normandie, d'autres d'être un poilu dans les tranchées ou un londonien sous les bombes pendant le Blitz. Donc vous avez ici quelques exemples de nos productions. Donc voilà. Et donc nous vous remercions pour le prix décerné aujourd'hui au Panthéon. C'est vachement joli d'ailleurs. Et, nous l'accueillons avec honneur et fierté. Donc merci beaucoup. Merci à tous. Nous allons faire quelques photographies avant de regagner la salle. Merci à tous. J'invite maintenant le contrôleur général des armées, Sylvain Matuxi,
directeur de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées, a clôturé cette cérémonie. Mesdames et messieurs les officiels en vos grades et qualités, comme on dit, mesdames et messieurs les enseignants et chefs d'établissement, chers élèves surtout, nous voilà arrivés au terme de cette 7e édition d'Héritier de mémoire. Je tiens très chaleureusement à vous remercier toutes et tous de votre présence, élèves et équipe enseignante bien sûr, qui sont le cœur et l'âme de cette cérémonie, mais aussi partenaires institutionnels et associatifs de l'action mémorielle et pédagogique. Et je remercie en particulier très sincèrement Madame l'ambassadrice du Royaume-Uni, Madame Manuel Rawlings, et Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur Victorio Redondo Baldrich, de nous avoir fait l'honneur de leur présence. Une fois de plus, l'opération Héritier de mémoire, conduite par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées, en lien très étroit avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, a mis en lumière, vous l'avez bien vu, des projets remarquables dans le cadre de l'enseignement de défense, discipline obligatoire depuis 1997, qui promeut notamment la transmission de la mémoire et l'éducation à la citoyenneté. Cet enseignement de défense va élargir demain son audience, puisqu'il intégrera très prochainement également les lycées professionnels maritimes, en les associant à l'ensemble de nos dispositifs de soutien et de rayonnement. Le soutien à l'enseignement de défense sera également renforcé très prochainement grâce aux partenariats nouveaux qui lie désormais l'Union des blessés de la face et de la tête, la Fédération nationale André Maginot et la Direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées. En effet, sous l'impulsion de Madame Patricia Mirales, notre secrétaire d'État auprès du ministère des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, une convention vient d'être signée le 15 mai dernier qui apportera, dès la prochaine rentrée scolaire, un soutien financier important à des projets pédagogiques remarquables et durables d'enseignement de défense. Mais revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, 6 projets ont été distingués dans ce lieu hautement symbolique qu'est le Panthéon. 6 projets parmi les plus de 600 qui ont bénéficié cette année d'un appui direct de la part de ma direction. 6 projets singulier mais représentatif du travail de mémoire dans lequel s'engagent nos jeunes, conscients du rôle qu'ils auront à jouer en tant que futurs citoyens. À la lecture des intentions des projets, à la vue des films projetés ce matin, je suis frappé par l'esprit de créativité et l'implication dont les élèves ont fait preuve. Ceux du lycée Katia et Maurice Kraft de Béziers, sur la guerre d'Algérie, qui ont veillé à réaliser un travail pluridisciplinaire auprès des mémoires plurielles et qui ont étudié le lien entre histoire et mémoire. Les jeunes du collège Vallée d'Ulysse, du Lys Auléon, qui ont réfléchi à la réalité de l'engagement dans un conflit contemporain, dans des époques et sur des théâtres différents, à travers les œuvres d'écrivains, avec des réalisations cinématographiques et d'art plastique. Ceux du lycée Clément Marot de Cahors, pour leur projet remarquable, croisant les destins du général Leclerc et du lieutenant Amado Granel, officier de la Nouévé, la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, au sein de la 2e division blindée, composée de républicains espagnols. Au-delà des 3 prix que je viens de citer, l'action Héritier de mémoire, c'est aussi 3 mentions, et je félicite tous ceux qui ont reçu aujourd'hui une mention spéciale pour leur projet pédagogique. D'abord les plus jeunes, les élèves de l'école primaire Émile Roux de Soisy sous Montmorency, qui ont créé et mis en scène le spectacle
Matilda in the Library, et dont vous avez pu apprécier, j'en suis sûr aujourd'hui, les compositions chantées en anglais. Et puis les élèves du collège Saint-Bruno, de la Tour du Pin, qui à partir du destin individuel de Roland de la Poipe et de l'épopée du régiment de chasse Normandie-Niémen, ont réalisé un musée virtuel. Et enfin, les élèves du collège Les Dauphins de Saint-Jean-de-Soudun, pour leur projet portant sur les artistes et scientifiques en guerre, témoins des deux conflits mondiaux, avec en point d'orgue la réalisation d'un roman graphique en langue française et anglaise. Beaucoup des actions pédagogiques soutenues témoignent de l'intérêt des équipes enseignantes pour les appels à projets lancés en début d'année scolaire. Ainsi, les trois appels à projets de ce cycle 2022-2023, Écrivains en guerre, La guerre d'Algérie, une histoire militaire des mémoires combattantes, et Leclerc, Itinéraire d'un Français libre, ont donné l'occasion de renouveler les pratiques pédagogiques, d'enseigner l'histoire en ouvrant de nouvelles portes d'entrée et d'encourager la pluridisciplinarité. Je remercie l'ensemble des partenaires qui s'y sont associés, notamment l'Office national des combattants et victimes de guerre, la Fédération nationale André Maginot, l'Union nationale des combattants, l'Union des blessés de la face et de la tête, la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc, Tunisie, l'Association des écrivains combattants, le Panthéon, le Mémorial de Verdun, la Fondation Maréchal Leclerc de Hautecloque, l'Association de la Maison des anciens combattants de la 2e DB, la Fondation de la France libre, le Musée de l'Ordre de la Libération, le Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin, et le Service historique de la Défense, sans oublier le CPAD, l'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, pour la qualité des documentaires réalisés, cher Laurent, qui ont si bien mis en lumière l'engagement de nos écoliers, collégiens et lycéens. Alors, à la rentrée prochaine, de nouveaux appels à projets viendront compléter celui sur les écrivains en guerre qui sera reconduit en 2023-2024. Le nouvel appel à projets s'intitulera « Photographier et filmer les conflits à l'époque contemporaine, illustrer, informer, détourner ». Il pourra notamment s'inscrire dans le cadre du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale et du 70e anniversaire de la fin de l'engagement du bataillon français de l'ONU dans la guerre de Corée, mais pas que. Et le troisième et dernier appel à projet s'intitulera « Le sport et les armées, divertir, mobiliser, légitimer ». Il s'inscrira dans la perspective des Jeux olympiques de Paris en 2024 et il invitera à croiser les itinéraires de grands sportifs et l'histoire du fait militaire. Voilà. Pour conclure, c'est pas tout à fait terminé. Pour conclure cette cérémonie, je m'adresserai directement aux élèves, présents en leur citant et commentant une phrase célèbre d'Antoine de Saint-Exupéry, dont le destin et l'œuvre auront été étudiés cette année dans le cadre de l'opération Héritier de mémoire. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, disait le petit prince, avant d'ajouter mais peu d'entre elles s'en souviennent. Vous êtes tous destinés à devenir de grandes personnes. Tâchez de ne pas oublier l'enfant, le jeune adulte pour certains d'entre vous que vous êtes, car vous serez amenés, tout au long de votre vie, à être l'héritier d'une mémoire, celle de votre famille, de votre ville, de votre région, mais aussi de la nation à laquelle nous appartenons tous. Celle que nous avons en partage, au-delà des membres d'une même famille et des habitants d'une même localité. Devenez donc les grandes personnes que vous serez, mais n'oubliez jamais que vous êtes aujourd'hui des héritiers de mémoire, demain des passeurs de mémoire, et que vous le serez encore. Je vous remercie et vous demande d'applaudir les organisateurs de cette cérémonie, l'équipe de BAPIM avec Anne-Gaëlle Le Bonheur, et également l'équipe de tourtage de l'ECPAD qui a su si bien mettre en valeur cette cérémonie. Merci.
Monsieur le directeur, merci. Cette cérémonie se termine. Merci très sincèrement à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui et d'avoir mis en lumière ces très beaux projets pédagogiques d'enseignement de défense. Nous vous disons tous alors à l'année prochaine avec les trois nouveaux projets qui ont été présentés. Je vous invite aussi, quand vous sortez, en fait, à vous arrêter sur les marches du Panthéon pour une photo groupée avec les enseignants, les élèves et puis toutes les hautes autorités. Je tiens à remercier bien évidemment le CPAD pour cette magnifique réalisation de ces documentaires et toute l'équipe de l'administration du Panthéon qui nous ont bien accompagnés également. Merci enfin à mon équipe, super, Xavier, Benjamin, Arnaud, Céline, Christine, Agnès, Joël, Nolwenn, Paul-Emmanuel, Catherine, Frédéric, Lilia et Bérénice, les deux animatrices. Et une pensée particulière pour Madame Pifto qui était aujourd'hui présente parmi nous aussi. Voilà. Merci à toutes. Sur les escaliers après.